Lorsque les agriculteurs récoltent et vendent leur production, celle-ci est transformée par des entreprises agro-industrielles. Une partie seulement est valorisée à des fins commerciales, ce qui génère une très grande quantité de résidus agricoles. Dans les zones tropicales, ces résidus sont généralement laissés à pourrir ou sont brûlés. Cela signifie que tout le carbone qu'ils avaient capté lors de la photosynthèse retourne dans l'atmosphère. Mais nous pouvons éviter cela. Chez Net Zero, nous extrayons et stabilisons environ la moitié du carbone contenu dans ces résidus grâce à un procédé de pyrolyse. Le produit solide qui en résulte, appelé biochar, est incorporé au sol pour stocker durablement ce carbone afin qu'il ne retourne pas dans l'atmosphère. Cet effet de séquestration du carbone à long terme nous permet de générer des crédits carbone de haute qualité qui aident les entreprises à neutraliser leurs émissions incompressibles. Le processus de production du biochar génère également de l'énergie renouvelable sous forme de gaz. Nous utilisons une partie de ces gaz pour rendre le processus de pyrolyse autonome et convertissons la partie restante en électricité renouvelable, une ressource grandement nécessaire dans les zones rurales des pays en développement. Lorsque le biochar est mélangé à la terre, il agit comme une éponge de carbone qui améliore la rétention d'eau et de nutriments dans le sol. Contrairement aux engrais, le biochar n'est incorporé qu'une seule fois à la terre et produit des effets durables, car il reste dans le sol. Cela améliore considérablement la productivité des cultures et donc le revenu des agriculteurs. Pour l'utilisation du biochar, Net Zero propose des programmes de formation et d'accompagnement aux agriculteurs. Ce modèle permet de maximiser le potentiel du biochar comme solution climatique, comme solution agricole et comme solution d'énergie renouvelable. La mission de Net Zero est de faire passer à l'échelle le biochar pour le climat et pour les hommes, maintenant.